Bonsoir à tous, c'est David Toledano. Donc juste pour, suite au message qu'on avait transmis de la part du Tzadik, qui avait demandé à faire passer le message qu'il fallait, faire des prières pour l'âme d'Israël, surtout des enfants, pour annuler le décret apparemment qu'il y avait pour aujourd'hui. Ils sont venus me voir pour savoir ce qui s'est passé, s'il y a des nouvelles, s'il y a une cube de table. Et là-bas, le Tzadik les a accueillis avec un grand sourire pour leur dire que le décret a été annulé, qu'Akadosh Baroukh Hou a changé complètement le décret. Les prières là-bas, elles ont été acceptées. Et donc, Hachem, ça fait, il y a eu un engouement incroyable en Israël, comme en France. En Israël, ils ont réuni là-bas des enfants dans les parcs, et ils étaient mis dans les synagogues, dehors, etc. Vraiment, c'était un engouement énorme. Apparemment, en France aussi, il y a eu des gens, ils se sont surpassés. Il y a eu des photos comme ça, des gens dans leur salon avec les enfants qui nous étaient mis, etc. Donc, au prochain, quelqu'un de beaucoup, il y a des tzadikim comme ça qui peuvent, à qui il peut transmettre, s'il y a des choses à réparer, des choses à améliorer et tout. Et, au prochain, on va voir la mifrette dans les tzadikim. Parce que chacun, on a pris les terras, etc. Quand il s'agit d'aider HM, quand il s'agit d'aider l'âme d'Israël, on voit là, à ce moment-là, le vrai côté de l'âme d'Israël, le côté qui, de hardoute, d'union. Et c'est ça qu'HM il aime. Et HM est pas fier de me rappeler comme ça. Donc, c'est-à-dire qu'il a dit qu'apparemment il y aura quelque chose dans le golfe Persique, mais Israël ne seront pas concernés. Et il dit qu'on va voir des grandes choses pour l'Israël prochainement de la prochaine. Donc voilà, continuez à prier, ça peut toujours aider. Et qu'Akadosh Baroukh Hou envoie la Géoula de la Chamine.